Je vais vous donner un autre exemple. Les traces de mains dans les grottes, je vois les mêmes aujourd'hui dans les écoles maternelles. On n'est pourtant pas à l'âge préhistorique. Il faut savoir aussi différencier l'art, le culturel, la religion, et puis le savoir, la technologie et l'intellectualisme des gens de telle ou telle époque. À l'heure d'aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens ne l'imaginent pas, mais les aborigènes, ils vivent comme des aborigènes, ça n'empêche pas qu'il y ait un Boeing qui passe au-dessus de leur tête. Pareil pour les Guaranis et autres populations d'Amazonie. Il y en a même qui sont tellement enclavés qu'ils ne savent même pas qu'on existe en tant que blanc. Ils voient passer un petit zinc au-dessus d'eux, pour eux, c'est un truc d'ailleurs. Mais ils vivent à la même époque que nous, vous êtes bien d'accord? C'est-à-dire que nous, nous sommes une civilisation évoluée, et vous avez à côté de là une peuplade qui vit avec ses traditions et tout, qui vit en même temps que nous, mais qui vit peut-être, comme les archéologues se plaisent à le dire, à l'âge de la pierre. Vous voyez, cette dichotomie, eh ben, elle a existé à tout âge, à toute période, et même pendant l'ère antédiluvienne. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile, parce que vous pouvez trouver dans telle zone du monde un endroit où les gens étaient en peuplade pseudo-primitive, dirons-nous, et où, 3 000 km plus loin, il y avait une cité-État. C'est toujours des êtres humains, mais ils n'ont pas suivi le même cheminement, parce qu'ils ont été confrontés différemment aux éléments, à la géographie des lieux. Pourquoi les Atlantes étaient particulièrement doués au niveau maritime? Mais parce que leur empire, c'était des milliers d'îles. Pour aller d'une île à l'autre, ils ont dû inventer un truc pour y aller, hein. Et puis ils ont dû le perfectionner. Parce que quand on fait deux îles qu'on se voit là, vous voyez vous voyez le littoral de l'île d'en face parce qu'elle est à 10 bornes, bon ça va. Quand vous devez traverser des zones comme l'Atlantique, il faut quand même autre chose qu'une petite barquette, hein, pour le faire. Et là, il y a des gens qui ont quand même pensé construire ce genre de type de navire pour développer l'Empire Atlante. Donc, une civilisation continentale terrestre évolue forcément beaucoup plus lentement qu'une civilisation maritime qui, elle, est continuellement confrontée à des défis à relever et qui va être donc obligée de trouver des technologies pour parer au manque, aux problématiques qu'elle rencontre si elle veut continuer d'avancer, de progresser, de se développer, etc. Alors, là, très sincèrement, Sandrine, je vais m'opposer à toi de ce côté-là. Ça ne peut pas avoir été, l'Atlantide n'a pas pu être une civilisation mondiale. Tout simplement parce que l'Atlantide est elle-même un dérivé de Mu, qui est un dérivé d'Hyperborée, qui est un dérivé d'Atlantica, qui est un dérivé de l'Agartha. Par contre, l'Agartha, oui, était une civilisation primordiale, et il est écrit directement dans les textes qu'elle occupait l'ensemble de la planète, et qu'il y a 98 cités posées quelque part sur ce globe, dont probablement Akakor, qui en fait partie, et la fameuse cité qui a été visitée par l'amiral Byrd. Ce sont les mêmes. Mais l'Atlantide n'a pas eu un rayonnement jusqu'à, par exemple, l'océan Indien. La preuve, je vais te la donner, c'est les menhirs, c'est les alignements de Mosna, au Yémen. Si tu lis les travaux faits par James Churchward concernant Mu, et les tablettes de David Niven, l'archéologue qui a confié ces tablettes à James Churchward pour arriver à déterminer exactement qu'est-ce qu'était la civilisation de Mu. À l'intérieur de ces tablettes, il y a des symboles. Il y avait toute une série de symboles. Mu avait été traversé par un courant philosophique qui employait de très nombreux symboles. Les alignements de Mosna sont donc des menhirs, on est bien d'accord. Si tu pars du principe que l'Atlantide, c'est tous les menhirs, les dolmens et les cromlechs, alors il va falloir que tu m'expliques pourquoi les alignements de Mosna, si tu le regardes en altitude, représentent le blason, le symbole principal de Mu. Mu étant, je te le rappelle, antérieur d'au moins 15 000 ans à l'Atlantide. Donc, et en plus,
Mu n'ayant sa sphère d'influence que dans l'océan Indien et tout l'océan Pacifique. Donc elle n'a jamais eu la moindre présence à l'intérieur de l'océan Atlantique. Mieux que ça, dans les textes qui ont été traduits des tablettes de Niven par James Hushward, l'Atlantide est cité comme quelque chose de nouveau, de neuf, comme une sorte d'émergence d'une civilisation consœur. Elle est même baptisée l'île Blanche, pour te dire. Donc, on voit bien que c'était deux civilisations différentes, géographiquement, temporellement. Le seul point, je dirais la seule particularité que les autres civilisations ne partagent pas avec ces deux-là, c'est que ces deux-là ont vécu un moment, et pas un petit, hein, je crois 7000 ans, en même temps, simultanément. Donc, c'est d'ailleurs ce qui a créé énormément de confusion dans les gens qui disent « Ouais, mais il y a eu une guerre entre les Atlantes et les gens de Mu. » Mais non, il n'y a jamais eu de guerre là-dedans. Les civilisations antédiluviennes ne connaissaient pas la guerre. Ils ne la cherchaient pas, ils ne la connaissaient pas. Et jusqu'à l'Atlantide, aucune civilisation antédiluvienne n'avait d'armée. Donc pourquoi tu veux qu'ils se foutent sur la gueule? Ils n'avaient même pas d'armée. Et ils étaient dans une révolution intellectuelle pacifique. Je te rappelle quand même que les quatre piliers qu'on retrouve dans toutes les civilisations antédiluviennes, qu'on parte de l'Agartha jusqu'à l'Atlantide, c'est force, honneur, paix et prospérité. Pas de prospérité avec une guerre. Pas de paix avec une guerre. Pas d'honneur si tu es en guerre. Parce qu'il y en a un des deux qui a déconné, forcément. Hein? Et la force, c'était une force morale, c'était une force tranquille, c'était pas une force guerrière, conquérante. Quand les Atlantes, dans le Timée et le Critias, sont présentés comme des envahisseurs, c'est une déviance de la réalité. Tu as une population de 3 millions d'individus sur un archipel d'îles qui est obligé de quitter ces îles et qui se naufrage en Occident. Enfin, pour la partie, on va dire, occidentale, puisque le Timée et le Critias, la Grèce et l'Occident, on s'entend bien. C'est sûr que dans les villages de l'époque, où il devait une ville importante, c'était 5000 habitants, voir débouler 3 millions de personnes sur les plages, tu te refais le débarquement de Normandie. Je veux dire, il est évident que les peuplades là se sont senties immédiatement agressées. Imagine 20 secondes que le dérèglement climatique soit tel que tout le Maghreb devienne invivable. Invivable. On ne peut pas y vivre, ce qui va malheureusement arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Une chose naturelle. Tout le monde va se barrer de là-bas pour aller dans un endroit un peu plus vivable. Et l'endroit le plus vivable, c'est quoi? C'est l'Occident. Ce sera même plus de l'immigration voulue, choisie. Ce sera de l'immigration obligatoire, du déplacement majeur de population. Quelque chose qu'aucun État ne pourra faire face. Et c'est ce qui est arrivé à l'Atlantide. Les populations en face se sont retrouvées littéralement, entre guillemets, psychologiquement agressé par une arrivée massive de gens. Mais l'Atlantide, c'est des naufragés d'Atlantique. C'est pas des naufragés d'ailleurs, même si l'Atlantique, ça va du nord, limite l'océan Arctique, au sud, limite l'océan Antarctique. Donc ça fait de la surface, hein, autant pour l'Amérique que pour l'Afrique. Hein. Donc je veux dire, c'est... Après, comment ils se sont répartis et tout, excuse-moi, je n'étais pas là au moment du débarquement, si je puis dire. Mais il est évident que toute population de l'époque qui a vu arriver toutes ces peuplades, ça les a marqués. C'est clair que les Atlantes les ont marqués. Ils sont aussi arrivés, je veux dire, le moindre mec, j'allais dire presque le balayeur Atlante, c'était un ingénieur à côté du gars qui, dans le pays dans lequel il arrivait, quoi. Parce que sa culture était tellement élevée, il pouvait apporter des milliards de solutions à des problèmes auxquels les gens ne savaient même pas comment y faire face. Donc, chaque Atlante a été
un sauveur quelque part, comment dirais-je, l'étincelle d'un développement là où il est arrivé. Peu importe le niveau de ses connaissances, elles étaient de toute façon supérieures aux gens qui étaient autour. Sinon, l'Atlantide n'aurait jamais eu cette légende si elle n'avait pas été très largement supérieure sur le plan de la technologie, de la philosophie. C'est très clair. Oui, alors les chaussées immergées, Véronique, je parle à Véronique Dufay, les chaussées que tu appelles immergées, elles n'ont pas été découvertes très récemment. Hein. Elles ont été découvertes dans les années 80 hein, et même dans les années 60, certaines. Tu es peut-être en train de nous parler des fameux murs de Bimini que j'ai visités, sur lesquels j'ai plongé en 2006. Donc, et à cette époque-là, il y avait du bon monde qui avait travaillé là-dessus. Il y avait des gens comme Greg Little, William Donato, de l'Aéro, tous les deux, de la Fondation Edgar Cayce. Il y avait des gens comme Jacques Mayol, le fameux plongeur. Il y avait du monde. Hein. À cette époque-là, je n'étais pas seul sur le coin. Et beaucoup de ces gens-là m'ont permis de visiter de très près ce qu'étaient ces fameux murs de Bimini, qui en fait n'étaient pas des murs, mais un port préhistorique de plus de 25 000 ans. J'ai tout un dossier là-dessus, et dans mon bouquin « Civilisation antédiluvienne » de l'époque de 2007, j'ai fait une description complète et totale de cet endroit. Si ça t'intéresse, je te donnerai même des extraits, à la limite, qui parlent de ça, pour te documenter, mais c'est pas récent du tout. C'est toi qui as reçu cette information récemment, mais... C'est comme Yonaguni, ça nous ressort régulièrement, la ziggourat de Yonaguni, mais enfin Yonaguni, ça date de Kimura Masaki, ça commence à dater un peu, quoi. Donc, simplement, les informations ne circulent pas assez vite, et quand elles circulent, elles sont parfois déformées ou elles arrivent en bribes, en petits morceaux, et donc du coup, vous avez des bribes d'informations, et vous faites l'assemblage à un moment donné, et vous vous dites, tiens, on a découvert un truc. Non, non, on a... Tout ça, c'est la même découverte. Mais vous recevez des informations parcellaires, comme on dit. Alors, je regarde un peu toutes les autres informations. J'irai voir, d'ailleurs, hein, sur les liens Google. Je parle à Jocelyne, là. Alors, je ne sais pas ce qu'il me dit, lui. Eh bien, on y est, l'Atlante a été longue. Oh là là. Chercheur de mensonges, là, c'est bien sympa que tu viennes nous voir, mais bon, si tu pouvais monter de niveau, ce serait super sympa, quoi. Voilà, hein, parce que là, tu apportes rien à personne. Donc, essaye d'intervenir de manière cohérente hein, dans le discours. Donc, oui, tout à fait, Sandrine. Bon, écoute, un bonhomme. Vous allez m'excuser, chers amis, mais je crois qu'il y en a un qui est vraiment... voilà, n'est-ce pas? Donc, je regarde parce que là... Excusez-moi, je fais un peu de ménage, parce que quand je tombe sur des gens de 2 de QI, j'arrive pas, je suis pas patient ni diplomate à ce niveau-là. J'aime bien... discuter avec des gens qui apportent quelque chose. Il est possible, Jean-François, il est possible qu'un savoir fût amené par des entités étrangères à la Terre. Alors écoute, tu dois écouter les émissions sur Chambalay et Lagartha, il faudrait, hein, Jean-François, parce que ça fait un moment que cette information n'est plus classifiée, si je puis dire, et effectivement, comme aurait dit Wesley, si tu cherches un extraterrestre, inutile de t'époumoner dans tes recherches, prends un miroir, ça va suffire. Tu m'as compris, j'en suis sûr. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres peuplades. La nôtre, déjà, n'a rien à voir à faire sur Terre. Et je peux t'en donner comme preuve le fait qu'un grand nombre de plantes, d'animaux, et d'êtres comme notamment Néandertal, Habilis, Erectus et compagnie, je peux te les donner, étaient cités, ont tous ce qu'on appelle le gène Gaïa, le Mind Inter.
sauf nous, sapiens. Je te donnerai plus de renseignements si tu veux, tu me contactes en MP. Ensuite, sauvage, sauvé des sauts. C'est une certaine forme de raccourci, Jocelyne, j'aime bien ton humour. Ah là 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 là. Deux petites secondes, je continue. Ensuite. Alors, je ne sais pas si je suis sage. Hein. Franchement, Jocelyne, j'en sais strictement rien. J'essaie simplement d'être cohérent et de donner une information vraiment fiable sur laquelle tu peux t'appuyer en te disant, bon, Domi ne nous a pas mis des petites fleurs, il ne nous a pas brodé le truc, il nous le donne le plus brut de pomme qu'il peut pour qu'ensuite nous, on puisse construire une opinion là-dessus, quoi. Alors, Ida, que sait-on de la spiritualité des civilisations antédiluviennes ? Alors là, tu sais, il va sortir dans Civilisation, entre ce mois-ci et le mois prochain, il sort les 6 livres, les 6 tomes manquants de la collection Civilisation antédiluvienne. Il y a un des tomes qui n'existait pas dans la version compilée, qui s'appelle justement L'Ordre Premier. Et là-dedans, je réponds intégralement à ta question « Que sait-on de la spiritualité des civilisations antédiluviennes ?» Ben, en fait, on en sait beaucoup. Mais ce qui va te choquer, c'est que non seulement tu vas t'apercevoir que c'était radicalement différent d'aujourd'hui, mais que la majorité de tes émotions, de tes sensations relatives à ce qui est juste, ou qui n'est pas juste dans notre civilisation, celle d'aujourd'hui, je parle, eh bien c'est comme une forme de réminiscence de ce qu'était l'ordre juste, l'ordre premier, l'ordre antédiluvien. Tu verras que là-dedans, c'était très différent. Par exemple, je vais te donner un exemple très simple. Ils ne croyaient pas en Dieu, ni en Dieu, ni en des dieux. Ils étaient animistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient reconnaissants à la nature, au sens universel du terme, de ce que la nature leur apportait. Ils n'étaient pas adorateurs du soleil. Ils créaient des temples qui étaient des lieux de cérémonie et de fête pour célébrer le soleil. Merci pour ta chaleur, merci pour le fait que tu fais pousser des plantations, merci pour ceci, merci pour cela. Ils adoraient autant le soleil qu'ils aimaient la pluie. Hein. Mais ils n'étaient pas des adorateurs, ils ne créaient pas des idoles. Ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient dans la nature. Si tu veux, ils avaient un raisonnement très proche des Jedi d'aujourd'hui, enfin de Star Wars, avec cette histoire de force, tu vois. Pour eux, les forces universelles, c'était celles qu'il fallait remercier. Et s'ils devaient croire en quelque chose intimement et avec conviction, c'était en la capacité de l'homme, avec un H majuscule, à affronter et relever des défis. C'est-à-dire qu'ils avaient confiance dans la nature humaine, dans la force de la nature humaine, à relever les défis les plus dingues pour arriver à progresser. Ils avaient confiance en l'homme. Ils n'avaient pas besoin d'un dieu. Ils n'avaient pas besoin d'une béquille. Ils avaient une intime conviction en eux. Et ils étaient dans une relation spirituelle qui est extrêmement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Je te donne un exemple très simple. Ça va te paraître bizarre, mais c'est vrai en plus. Et c'est ce que je suis en train de dire dans une des émissions d'Agartha d'ailleurs. Liberté, égalité, fraternité, d'abord il faut le savoir pour ceux qui ne le savent pas, c'est les trois, c'est le triptyque de la franc-maçonnerie. Et ce triptyque de la franc-maçonnerie a été apposé à la République française parce que c'est les francs-maçons, entre autres, qui ont fait la Révolution française. Alors, pour ceux qui sont assez naïfs pour croire que c'est le peuple qui a fait la Révolution, ben non, c'est une partie de la noblesse, une partie des bourgeois, et tous les philosophes et lumières qui ont décidé qu'il fallait que ça change.
Ensuite, le peuple a suivi parce que l'idée était séduisante et parce que de toute façon, on avait marre de crever la dalle, c'est clair. Mais, je veux dire, l'initiation de la révolution est venue d'une élite, elle n'est pas venue du peuple. Et ces mots liberté, égalité, fraternité, qui ont un sens quand même très clair dans notre tête, la liberté d'être libre, l'égalité d'être équitable entre nous, un partage juste des richesses entre nous tous, sur cette terre, pas seulement en France. Et évidemment, la fraternité, on est tous des humains, on devrait normalement se porter spontanément au secours de n'importe quel autre individu, homme ou femme d'ailleurs, hein, humain, puisqu'on fait partie d'un même concept qui est l'espèce humaine. Et ça, c'était des réalités à leur époque qui ne sont plus du tout une réalité. Tu ne vas absolument pas trouver le mot liberté, égalité, fraternité. Moi, je mets au défi, tous autant que vous êtes, de me trouver un pays où ça a été appliqué à la lettre. Appliqué à la lettre. Et vous verrez que vous n'en trouverez aucun. Alors que toutes les descriptions qui sont faites, notamment dans le Timée et le Critias de Platon, qui présente la dernière des civilisations, qui est pour moi une dégénérescence de la civilisation primordiale, donc beaucoup moins performante, beaucoup moins parfaite que la première des civilisations, eh bien quand même, le niveau de partage, de solidarité, de fraternité, c'était quand même autre chose. Et tout ça est décrit d'ailleurs dans Civilisation antédiluvienne, dans la version 2007. J'en parle parce que vous pouvez la trouver vraiment à l'état de fin de série, si je puis dire. Hein. Mon éditeur, la Sylvius, en distribue les derniers exemplaires à 12 balles, port inclus, quoi. Je veux dire, alors évidemment, ce n'est pas mis à jour comme les dernières versions des 10 tomes de Civilisation antédiluvienne, mais l'essentiel de ce savoir concentré, qui a été concentré en 2007, puis diffusé de manière massive, vous allez trouver très rapidement toutes les réponses à vos questions, et Ido à toi particulièrement, sur ce qu'était la spiritualité des civilisations antédiluviennes. Et elle était forcément nettement supérieure à la nôtre, puisqu'elle était confrontée à la survie. Quand tu es en état de survie, quand un groupe est en état de survie, n'importe quel groupe, tu vois déjà ce qui s'est passé dans le sud-est de la France, la solidarité se met en place immédiatement. La fraternité, elle est là dans la seconde. Quand on est en menace de mort, l'être humain applique à la lettre ses règles. Le problème, c'est qu'il les oublie juste après. Alors qu'à cette époque-là, c'était ancré depuis tout enfant, et c'était de ne pas l'être qui était une perversion. Tu vois ? Que nous dit Jocelyne, oui, les cartes avant étaient inversées, un peuple lisait le sud et l'autre le nord. Mais en fait, déjà, si tu regardes tous les portulans, c'est-à-dire toutes les cartes anciennes qui ont été reproduites, notamment dans l'Atlas Barail de l'amiral Piri Reis, tu vas t'apercevoir qu'il y avait déjà des gens qui baladaient sur le monde bien avant Sumer. Par exemple, je te donne un exemple, l'Antarctique, les côtes de l'Antarctique sont présentées libres de glace, c'est-à-dire c'est une carte qui doit dater au minimum de 10 à 12 000 ans. Donc, il y avait un peuple, d'ailleurs c'était ce qu'avait écrit Sherlock Good en écrivant son bouquin, que je n'ai pas fini de traduire d'ailleurs, qui s'appelle « Les cartes des anciens rois des mers », et qui justement met tous ces détails, Jocelyne, en avant. Il y a toujours eu une distribution de l'information sociétale, civilisationnelle sur l'ensemble du globe. Après, les locaux, on va dire, ont pris plus ou moins de ces infos et les ont intégrées à leur culture, et c'est la raison pour laquelle on arrive à trouver des similitudes entre l'Aouvinapu de l'île de Pâques et le Sacsayhuaman, par exemple, du Pérou. Tu vois. Donc, si tu regardes Mycène, tu te retrouves aussi dans des constructions qui sont assez de type Maya Inca, quoi. Donc, et pourtant, Mycène, c'est en Grèce, je ne sais même pas si c'est pas en territoire turc aujourd'hui, mais c'est en Grèce, c'était grec à l'époque. Donc, Jean-François me dit quoi ? Donc, si je comprends bien, avec la datation par thermo, pas bio, thermoluminescence, on peut dater des pierres ou roches taillées ? Non. On peut uniquement dater, Jean-François, l'argile cuite.
Voilà, on peut dater ça, les poteries, les assiettes, les choses faites avec de l'argile séchée et ensuite cuite. On arrive à retrouver, parce que l'argile contient à l'intérieur aussi tous des éléments qui peuvent être datés. Alors je ne suis pas un spécialiste de la thermoluminescence, mais tu peux trouver ça sur le net, tu auras toutes les précisions sur le net, hein, thermo, hein, THERM, thermo, hein, comme un thermos, quoi. Thermoluminescence, tu auras tous ces détails. Mais je te l'affirme, et ça c'est certain, à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe aucun moyen de dater une statue, une pierre, un monument. À part par comparaison civilisationnelle, en ayant des textes qui viennent t'expliquer, par exemple, des techniques de construction et qui te permettent de savoir que ça n'a jamais existé avant telle période et que ça a disparu à telle période, etc. C'est très complexe l'histoire, hein, c'est un millefeuille. Donc, mais non, on ne peut pas dater ni pierre ni roche. Alors, Jocelyne nous dit, oui, exactement, le monde ignore. Ah oui, mais le monde ignore parce qu'on, Jocelyne, parce que aussi, les élites, et parmi ces élites, le nouvel ordre mondial, alors je ne suis pas complotiste, mais je suis désolé, le nouvel ordre mondial, c'est une réalité. Il faut que vous sachiez que le nouvel ordre mondial, c'est ce que un certain nombre de gens appellent aujourd'hui l'état profond. Et le nouvel ordre mondial est piloté par des gens qui représentent 13 familles qui existaient avant le déluge et qui sont donc au courant de ce qui s'est passé avant le déluge. De manière très précise, hein. Je pourrais presque vous faire un cours d'histoire sur ce qui s'est passé avant. Et du fait qu'ils savent, on appelle ça, dans un langage châtié en français, ils sont éclairés. Éclairés, en latin, illuminati. D'accord? Les illuminati pilotent le nouvel ordre mondial. Bilderberg et compagnie, c'est des officines tout ça. C'est des officines. Il y a des petits sbires à deux balles. Zuckerberg et son Facebook qui sanctionnent systématiquement des trucs dès que ça dérange l'establishment. Il faut se dire que c'est un organisme de censure pur et simple, Facebook. Après, on ne peut pas travailler sans. Mais il ne faut pas non plus se fermer les yeux sur ce que c'est. Oui, le peuple est maintenu dans l'ignorance. Mais pourquoi il est maintenu dans l'ignorance, Jocelyne? Parce que si demain je te présente comme concret et réel, une civilisation qui pourvoit à tous tes besoins, dans lequel il n'existe plus argent, dans lequel un médecin n'est pas admiré parce qu'il est riche ou célèbre, tout simplement parce qu'il est bon. Quand je te dis que tu peux vivre dans un univers où tu pourras aller au supermarché, mais tu ne vas jamais payer la caisse, passer à la station-service, mais pas payer ton essence. Aller t'acheter une nouvelle voiture, sauf que le mot acheter, il est mal employé, il n'existe plus. Que tu parles banque, carte bancaire, argent, pour un antédiluvien, tout ça, c'est, il va te regarder, c'est quoi? De quoi tu parles? Je vois pas. Et il ne voyait pas. C'était la juste répartition des biens et des richesses. À l'heure d'aujourd'hui, les peuples d'Afrique qui crèvent la dalle, si on était dans une civilisation antédiluvienne, n'existeraient pas. Ils ne seraient pas comme ça. Il y aurait un partage de nos excédents, donc qui dorment et qui pourrissent dans les stocks européens, à l'Afrique, qui permettrait ainsi de bouffer à sa faim. L'Afrique a des richesses qu'elle partagerait bien volontiers, puisqu'elle n'aurait plus aucune privation. On n'est pas en train de te parler d'une économie, ni d'une alliance France-Afrique. On est en train de te parler d'une richesse produite sur la planète et répartie par le nombre d'habitants pour que tout le monde ait sa part. C'est un monde complètement différent. Tu n'as rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Et ça, si demain je te dis, tu sais que si on voulait, vraiment, c'est faisable de transférer notre société dans cette société sans que ça provoque le chaos le plus total. Bien sûr, bien sûr. Les banques sont ruinées, la bourse n'existe plus. L'argent, pourquoi faire? Les banques centrales, elles cessent d'exister. Mais surtout, tous les gens qui gouvernent, qui nous gouvernent, dans tous les pays, hein, attention, faut pas tirer sur la France, hein, arrêtons de tirer sur notre pays, dans tous les pays. Tous ces gens, ces parlementaires, ces présidents, ces rois, ce que tu veux,
leur utilité serait terminée. Parce que on parlait tout à l'heure des valeurs civilisationnelles, des civilisations antédiluviennes avec Ida. Mais parmi ces choses-là, les élections n'existaient pas. Je veux dire, une civilisation à l'époque antédiluvienne était pilotée par les plus compétents, qui étaient littéralement plébiscités par le peuple tout entier, donc il n'y avait pas de vote. Lui, il se débrouille bien, il faut qu'il soit à notre tête. Mais pour pas qu'il fasse de conneries, tous les gens qui ont dépassé un certain âge, donc on va dire pour nous les vieux, devenaient les sages. Ceux qui disaient aux gamins, ah oui, ça tu vas pas nous le faire là, je comprends bien que tu aies ces envies, mais faut que tu restes raisonnable mon bonhomme. Il y a des choses qu'on va te laisser faire, il y a des choses qu'on te laissera pas faire. Et ça, c'était le verrou de sécurité. Les lois étaient votées toutes les 5 ans. Mais pendant les 5 ans intermédiaires, tu pouvais poser dans un carnet de doléances des demandes, des recommandations, des suggestions, qui, si elles étaient majoritaires, comme on dit à la majorité qualifiée, à plus de 51%, pouvaient être inscrites dans la loi, la modification de la loi, les 5 ans suivants. C'est-à-dire que tu n'avais personne pour les voter, les lois, c'était le peuple qui votait la loi, directement, grâce au carnet de doléances. Tu avais des fonctionnaires qui étaient là pour noter. Et pour que les gens n'oublient pas, hein, tout le monde ne va pas regarder le journal officiel tous les jours, hein. C'était inscrit sur des piliers. Ce qui fait que partout dans la cité, tu avais les textes de loi qui étaient affichés de manière durable. Alors tu vas me dire, putain, bonjour, quoi, les mecs, ils gravaient des piliers, ils les viraient tous les 5 ans. S'ils le faisaient, c'est que c'était pas difficile pour eux, quoi. La technologie qu'ils utilisaient n'a rien à voir avec la nôtre. Nous, on a une technologie aujourd'hui basée sur du carton, un peu de cuivre, hein, un peu d'or, un peu de cuivre, du plastique. Eux, au premier abord, notamment, je parle pour la Garta, visiblement travaillaient sur la technologie du cristal. Et pas que du cristal de gemme, hein, du cristal, ça va jusqu'au quartz. C'était autre chose. La manière dont eux travaillaient, et s'ils avaient une technologie quelconque, elle ne pouvait en aucun cas ressembler à la nôtre. Ils n'avaient pas pris le même chemin de développement. C'est la raison pour laquelle, quand on rencontre des monuments dont on ne peut pas expliquer leur fonctionnement, on leur colle systématiquement, en bon archéologue, un usage cultuel. C'est parce que c'était pour leur dieu. Mais non, peut-être pas. Peut-être pas, mais comme tu ne sais pas du tout comment ça pouvait fonctionner, c'est tellement facile de recaser tout ça dans le côté cultuel. Hein. Mais ça, il faut le savoir. Mais bien sûr, Sandrine, bien sûr que les gens, c'est pas qu'ils ignorent, ils ont des doutes, ils ignorent pas. Ils savent que dans tout ça, il y a des vérités. Le problème, c'est que, comment en être sûr, puisqu'il n'y a pas d'éléments assez tangibles, assez concrets pour rassurer la population, lui donner des certitudes. Et tu penses bien que ce n'est pas les guignols du Nouvel Ordre Mondial qui vont faire pour que ça s'arrange. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est conserver les pouvoirs et les avantages qu'ils ont récupérés lors du dernier déluge. Le dernier déluge, il y a 9600 ans, c'est quoi? C'était le plus gros de la population, on va dire, intellectuelle, cultivée, développée, se retrouver dans le croissant fertile. Ils se sont pris le déluge de chez déluge. La population s'est retrouvée complètement démunie. Ce jour-là, il y a 13 familles d'abrutis qui ont dit « Pourquoi continuer avec les règles équitables? Privons le monde de la bouffe, de l'eau potable et des soins. » Et ensuite, je te dis « Tu veux les trois? Ouais, tu fais très exactement ce que je te dis. » Et le pire, c'est que le peuple a fait ça. Mais moi, ça ne m'étonne absolument pas. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid? Est-ce que vous le voyez? Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, tous, en grande partie, vous marchez dans les pas qu'on vous demande de marcher. Vous acceptez les informations qu'on vous donne sans les contre-vérifier, sans les... Et je vais vous donner un exemple, c'est pour moi. Et ça n'engage que moi. Encore une fois, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Je ne demande pas à des gens de faire comme moi. Mais moi, depuis le Covid, le masque, je le porte par respect pour les gens. Mais pas parce que j'en ai besoin. J'ai traversé je ne sais pas combien de mois, y compris le confinement,
j'ai pas chopé le virus et je pense pas que je le choperai un jour. 0,04% de la population, mon Dieu, la France va être décimée par la peste bubonique, 99% de la population va être épargnée. Putain de virus. Vous appelez ça un virus? Non, la peste, le choléra, ça j'appelle un virus. Ebola, ça j'appelle un virus. Mais le Covid, moi, à part la trouille à mort que l'on fout à l'ensemble de leur population, voilà. On va me parler, ouais, tu t'imagines, demi, 1 million de morts dans le monde. Près de 8 milliards de gens dans le monde. Vous voulez faire le rapport en pourcentage? Alors je comprends bien, hein, et je suis parfaitement désolé, navré et franchement triste pour les gens, pour les familles qui ont subi le Covid et où des gens sont morts. C'est un virus, on est d'accord. Il est mortel dans certains cas, on est d'accord. Mais on ne peut pas faire plier le monde entier à des règles limites dictatoriales sous prétexte que le virus peut vous tuer. Je veux dire, ça, on se calme, quoi. Il y a des choses, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un carnage qui a été très bien orchestré. Et qui est coupable là-dedans? Fabien Einstein disait, il ne faut pas en vouloir, principalement, à ceux qui ont amené les problèmes et le malheur, mais à ceux qui ont regardé et qui ont laissé faire. Les civilisations antédiluviennes se sont effondrées parce que tout simplement une bande d'abrutis a décidé de jouer les Adolphe et que depuis 9600 ans, on marche au pas de l'eau, tous autant qu'on est, à la méritocratie, toutes les valeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en avant? Pas le collectif, hein, l'individuel. Sur quoi on vous fait marcher? Sur la méritocratie. Monte, prends plus de pognon, deviens plus riche, deviens puissant. En vous avez ce ressentiment par rapport aux gens riches. Moi je dis, les gens riches, c'est les gens qui ont réussi. Il n'y a pas à les haïr. Maintenant, il est évident que les gars sont aussi lancés parallèlement dans une psychologie de mépris face aux gens d'en bas, comme disait un certain Raffarin. Voilà, hein. Il faut le voir ça aussi. Hein. Exactement, Jean-François, oui, tout à fait. Tout à fait. Beaucoup de gens créent des hypothèses, puis ensuite ils les prennent pour des certitudes. Hein. Donc, oui, c'est vrai, mais tu sais que le français et l'anglais sont tous les deux issus du sanskrit, Jocelyne. Hein. Langue unique indo-européenne. Hein. Ah ben, bien sûr que les gouvernements font tout pour rendre les gens complètement incultes. Ah, bien sûr, je veux dire, c'est le béaba. Il faut maintenir les gens dans l'ignorance. Tu sais, il y avait un empereur romain qui disait « Si je veux tenir mon peuple, il me suffit de lui donner deux choses, du pain et des jeux. » C'était Trajan. Alors, tu vois. Alors, De Niro, la question, elle est très intéressante. Est-ce que les tablettes de Sumer sont une légende ou une vérité? Très sincèrement, je n'en ai pas encore, je n'ai pas fixé mon point de vue là-dessus. Mais je vais te dire, j'ai décidé de lire les livres d'Anton Parks. Alors je sais que c'est du roman, hein, mais je sais aussi qu'Anton a fait un travail remarquable sur le sumérien et que dans une mesure relativement importante, il a essayé de respecter la réalité de ce qui était écrit dans les tablettes. Donc ça m'intéresse quand même d'avoir ce point de vue, même si je sais qu'il sera à prendre avec un bémol. Mais j'ai besoin de lire ces bouquins pour avoir une plus grande certitude de qui étaient les gens comme Enki et compagnie. Quand tu lis les textes sur l'Agartha, on te parle de déviants qui s'amusent eux aussi. C'était 130 000 ans, il y a 130 000 ans, donc pas il y a 5000 ans, à faire de la manipulation génétique sur l'être humain. Est-ce pas les mêmes? Est-ce que ces Illuminati ne sont pas en fait des descendants d'il y a très longtemps de l'Agartha et de Shambhala? Je ne peux pas te le vérifier, je ne peux pas rentrer dans leurs papiers. Hein. J'aimerais bien savoir où se trouve le dôme, la capitale de ces gens-là.
Je ne sais pas. Je sais que c'est souterrain, je sais que c'est quelque part dans le monde et que c'est un dôme. Et je ne crois pas que ce soit une légende. Croyez-moi, l'état profond existe. Et l'état profond, quand vous venez un petit peu trop lui titiller, il se rebiffe. Après, il y a des gens qui vont partir en courant, hein. J'ai un ami qui était là le 9 février 2009, au moment où j'ai une rencontre physique avec ces gens-là. Je sais même plus où il est, tellement il s'est fait dans son froc, hein. J'ai jamais vu un mec courir aussi vite et avoir aussi peur de ces gens-là. Maintenant, moi, je suis pas le genre de mec à me laisser impressionner par ces guignols, et je l'ai toujours dit, hein. Il n'y a qu'un moyen de m'arrêter, une balle de neuf bien placée, c'est tout. Mais moi, on ne m'arrêtera pas comme ça. Vous ne croyez pas que je vais me laisser impressionner par des gars en costume cravate qui se prennent pour les rois du monde, quoi. Donc, je veux dire, je sais qu'à un moment donné, ils vont tomber. Voilà, qu'est-ce que tu me dis, Justine? J'ai l'impression, à mon avis, que nous venons tout juste de sortir de l'antédiluvien et que tout n'est pas si vieux que ça. Mais je viens de te le dire, hein. 9 600 ans, c'est pas vieux, hein. Ça fait 10 000 ans qu'il nous pourrissent la vie, en gros. 10 000 ans sur, au minimum, 130 000, hein. Donc, si on en croit Wesley, sur 650. Autrement dit, un clin d'œil, quoi. Il serait temps de leur filer une baffe et de leur dire allez jouer ailleurs, les gars. Alors moi, je suis pas d'accord du tout avec toi, Sandrine, concernant les dinosaures. Je fais pas du récentisme, moi. Moi, je pense qu'en réalité, ils ont bien existé, mais c'était à une autre période. C'était il y a 65 millions d'années, c'est autre chose. C'était un autre univers. La planète était même pas. Elle fonctionnait avec une atmosphère qui était beaucoup plus méthanée que l'atmosphère terrestre d'aujourd'hui, qui a été prouvée sur un point de vue génétique, paléontologique, etc. Il y a eu un grand changement il y a 650 000 ans, comme par hasard. On a adapté la planète à notre environnement, et comme je le disais tout à l'heure à l'un de nos amis ici présents, c'est parce que nous ne sommes pas de la Terre et que on ne peut pas respirer le méthane, nous. On a besoin de respirer de l'oxygène et de l'azote. Donc on a modifié la planète, et on peut encore le modifier si on en croit Wesley. On pourrait même faire marche arrière, tout en se redéveloppant, mais on pourrait faire marche arrière sur toutes les conneries qui ont été réalisées depuis ces 9 600 ans, si on se prenait la peine d'atteindre l'Agartha. Tout à fait, Jean-François, il est parfaitement admis qu'Homo sapiens a côtoyé Néandertal. Dans quelle mesure? Ça demande à se voir. À l'heure d'aujourd'hui, toutes les traces de cohabitation ont prouvé qu'il n'y a jamais eu une tentative dans les Homo sapiens de dominer Néandertal. Néandertal, en fait, par rapport à nous, c'est le véritable humain Madine Terre. Le mélange qu'on a fait ne nous a pas arrangés, hein. Si on en croit les textes de Wesley par rapport à la salle du savoir qui se trouve à Shambhala, nous étions en tant qu'humaniens, on va prendre ce terme pour nous distinguer de l'être humain d'aujourd'hui, inaltérables à tout ce qui ressemble à des microbes, etc. Et notre durée de vie à l'époque était de 8 siècles. À l'heure d'aujourd'hui, si on atteint 120, on est des balèzes. Et la moindre merde qu'il y a sur cette planète, on le chope. Hein, donc ça, c'est les bienfaits de la génétique version OMG, que ce soit sumérien ou des déviants d'Agartha. Quoi qu'il en soit, on a effectivement fréquenté Néandertal, mais pas franchement pour le mieux, quoi. Et je ne pense pas, je te dis, les archéologues, les paléontologues d'aujourd'hui sont formels, ils ne sont pas de mon avis forcément, hein, mais ils sont formels sur une chose, il n'y a jamais eu conflit de territoire entre Néandertal et Sapiens. Pourquoi ils ont disparu en 5 000 ans à l'arrivée de Sapiens en Europe, il y a 40 000 ans? Mais tout simplement parce qu'ils leur étaient supérieurs, encore une fois. Supérieurs, ils se sont adaptés plus vite. Ils ont trouvé des solutions pour la bouffe, pour l'eau, pour le refuge, pour tout plus vite, forcément. Et on a des preuves que Néandertal, quand il a commencé à fréquenter Sapiens, n'a pas évolué au sens évolution. Il s'est mis à faire du mimétisme, c'est-à-dire à essayer de reproduire ce que Sapiens savait faire sans comprendre pourquoi et comment Sapiens se le faisait. La finalité, il ne la comprenait pas. Tout ce qu'il comprenait, c'était que si je fais ça donne ça. Donc je fais comme lui pour obtenir la même chose, mais comment, à quoi ça sert de faire comme ça, ça il était incapable Néandertal était incapable d'analyser ce truc-là. Le cromlech de Lenravie est une terre enchevêtrée dans une jungle mi-massive. Je ne l'ai pas vu encore, ça Jocelyne. Ben j'espère, hein, Sandrine, je fais du mieux que je peux au niveau des éclaircissements, hein.
D'accord, oui, merci, oui, cela m'intéresse. Ben oui, je suis là aussi pour apporter des réponses à toutes vos questions, hein, sinon je ne serais pas devant cet écran. J'ai l'avantage d'avoir acquis en 35 ans des connaissances en archéologie, paléontologie, glaciologie, géomorphologie, géologie, vulcanologie, j'en passe et des meilleurs. Il serait peut-être temps à 62 ans que je transfère un peu, non? Et puis, étant d'esprit antédiluvien, je suis dans le partage, donc ma mission c'est de partager. Et je le fais très volontiers, c'est au contraire, j'éprouve un grand plaisir à vous transmettre les informations, mais écoutez-moi bien tous, il ne faut pas m'écouter uniquement pour mes paroles. S'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement dans tout ce que je raconte, vous pouvez aussi me demander un appui scriptural. Est-ce que tu as de la doc là-dessus, des images, des photos, des vidéos? N'hésitez pas à me le demander. Si j'ai, je vous fournis. Parce que ce qui est important, ce n'est pas que vous me croyez, c'est que vous soyez sûr que ce que je dis est la vérité. C'est ça qui est important. Et il faut que je vous donne à ce moment-là des éléments qui vous permettent de dire ce que Dominique dit, il ne le dit pas en l'air comme ça. Il s'appuie sur des preuves, sur des éléments, des présomptions qui sont tellement solides qu'on voit mal comment ça ne pourrait pas l'être. Donc n'hésitez pas, ne vous contentez pas de m'écouter, de prendre ces informations. Si vous avez besoin d'aller plus loin quelque part, demandez-moi. Ok? Eh oui, eh oui, eh oui. Alors je regarde l'heure. Oui, on n'est plus très loin. On va pas tarder à s'arrêter là-dessus. Ben, je suis content, Jean-François, d'avoir pu t'apporter quelques éclaircissements. Tout à fait, Sandrine. C'était tout à fait liberté, égalité, justice. Mais la justice, le sens de la justice dans cette civilisation qui est la nôtre n'a rien à voir avec le sens de la justice antédiluvienne. Hein. Donc, je peux te dire par exemple qu'à l'époque de l'antédiluvien, la vie était sacrée, la vie de tout. On retrouve d'ailleurs ça dans le bouddhisme. Et le Bonpo, qui est l'ancêtre du bouddhisme en tant que philosophie, a été enseigné par un maître qui s'appelait Shenrakmyo, qui a quitté Shambhala, qui est ensuite allé dans la civilisation des lames en Perse, où il était tellement balèze dans ce domaine, et il a développé tellement la civilisation des lames, qu'il a été divinisé, et que Shenrakmyo est devenu le dieu Mitra, le dieu de la lumière et de la connaissance, pour dire. Et la civilisation des lames a été une des civilisations la plus avancée à son époque par rapport à tout ce qui existait autour, parce qu'il avait apporté justement cette liberté, cette égalité, cette justice. Donc, et je te donne un exemple très bête. Les prisons ne seraient pas aussi pleines aujourd'hui. Parce que si tu enlevais la vie de quelqu'un, on t'enlevait la tienne. Il n'y avait pas de jugement. Ce n'était pas nécessaire de faire un jugement. Il pouvait y avoir une enquête pour vérifier quand même qu'on ne fasse pas une erreur judiciaire, tu vois. Mais la personne qui avait tué était tuée, éliminée, c'est tout. Donc toute personne qui tuait savait qu'elle serait supprimée. Ça calme déjà pas mal, hein, quand tu sais à coup sûr que tu vas être éliminé. Ce n'était pas une revanche, ce n'était pas être sanglant, c'était être équitable, encore une fois. Il y a une vie qui a été perdue par quelqu'un d'autre. Et j'aime bien cette phrase de Shenrakmyo dans les chroniques de Shambhala, qui est ces 300 bouquins de 1000 pages. Hein. J'ai mis un an dans un monastère tibétain à traduire tout ça. Mais j'ai aimé beaucoup quelques phrases qu'il a sorties. Et l'une qui dit, qui est extraordinaire, qui dit, quand on est confronté au mal, et que ce mal est si puissant que le bien ne suffit pas, alors il faut créer un mal encore plus puissant pour le supprimer. Parce que toute chose vivante qui porte atteinte à la vie ne mérite pas de vivre, elle. Donc, tu vois, c'était tout à fait dans la logique des civilisations antédiluviennes. Tu tues, je te tue. Mais sans état d'âme, ni haine, ni rien. Tu reçois ce que tu attendais, c'est tout. Voilà. Daniel, sympa d'être passé. Bonsoir, bah écoute, bon retour. Hein. Bonsoir Jennifer, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Bah, tu passes un gros bisou à ta moitié. Hein, voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Voilà, en tout cas, à très très bientôt. Et je te donnerai des informations relatives à la carte de Pyrérès. Hein, j'espère qu'il n'est pas à l'écoute là, Jérôme. Hein. J'ai compris. Allez.
Jean-François, oui, c'est vrai, ça aurait été pratique pour le Sphinx. Oui. Ben, tu sais que le Sphinx, déjà, mon cher Jean-François, il a 15 000 ans et il ne date pas de l'époque des pharaons, quoi. Il est antérieur et ça a été prouvé de manière très claire, hein, par notamment Johnny Anthony West, décédé malheureusement, qui était un type extraordinaire et qui avait fait des recherches. Ces recherches ont d'ailleurs été reprises dans l'empreinte des dieux, je crois, par Graham Hancock. A bien été conçu et font sauvegarde, oui, c'est sûr, oui. C'est sûrement pas l'histoire que l'on trouve dans les ouvrages. Non, Daniel, le monde antédiluvien, c'est un peu l'île aux enfants, c'est un peu Bonne nuit les petits avec Nounours, ça, alors c'est très vieux, tu vois, c'est. Je veux dire, c'est le club Dorothée, hein, voilà. Mais je ne le dis pas en me moquant du monde antédiluvien, je me considère comme un antédiluvien. C'est simplement pour te dire qu'effectivement, on ne risquerait pas de le trouver, parce que tu t'imagines, si on pouvait déjà éduquer nos enfants à ce qui a existé avant, je crois que dès qu'ils atteignent l'âge de 18 ans, c'est eux qui mettent un point final à cette civilisation en disant tu vas arrêter de nous emmerder, de nous pourrir la vie, toi. Donc, je pense que ce serait bien qu'on éduque les enfants sur ce qu'était la civilisation et qu'on leur explique pourquoi ça ne l'est plus aujourd'hui. Tu vois, ce serait bien de les éclairer. Ça aurait au moins utilité. Si on veut sauver la civilisation, en même temps, on ne peut pas être 15 milliards à en profiter, car on va trop détruire notre mère nature. Ce système fonctionne bien, bien, mais pas pour 20-25 milliards dans la même chose. Mais tu oublies un détail, Jocelyne. C'est des choses que tu ne connais pas, donc tu parles en n'ayant pas toutes les informations en main. Va voir mes émissions sur ATV relatives à Shambhala et l'Agartha. Hein, c'est en libre accès, donc tu ne payes pas, tu vas voir, c'est comme sur Nouria TV. Sauf que ce n'est pas du direct comme on fait là, c'est carrément des émissions montées comme une émission de télévision, hein, comme un documentaire. Mais tu vas t'apercevoir que non seulement l'Agartha n'est pas un mythe, qu'elle existe, que quelqu'un l'a retrouvée, et que moi et mon équipe, on va aller vérifier si tout ça c'est bien vrai. Mais si c'est bien vrai, ce que je pense, nous avons là-bas des engins qui font passer Saturne V, Vostok, Soyouz et compagnie, mais pour des brouettes. T'as entendu parler d'Ivy Mana? Mais l'Ivy Mana sont agarciens. Et il faut que tu saches une chose, c'est très important de le comprendre. Agartha, Shambhala, ce n'est pas les autres, c'est nous, c'est nos ancêtres. Nous sommes tous, en partie plus ou moins variable, des Agarciens. On a un petit mélange entre Néandertal, le mec du coin, et l'Agarcien, le mec de base, d'origine extraterrestre, venu se poser en catastrophe sur cette planète. Tout est expliqué en détail, d'ailleurs, dans la trilogie que j'ai écrit un roman de l'histoire de Wesley, j'en ai fait un roman d'aventure fantastique, mais tout est authentique là-dedans, en tout cas tout ce qui est inscrit dans les carnets est inscrit dans les romans, et ça explique bien en détail, la trilogie explique tout à fait en détail tout ce que Wesley a retrouvé, a pu décrypter, déchiffrer, voir, enfin. Si on est 25 milliards, comme tu l'écris, Jocelyne, et on aura depuis longtemps terraformé Mars, on aura peut-être même fait bouger les lignes sur Vénus, il n'y aura pas de surpopulation. Si tu connaissais la technologie d'Agartha, telle qu'elle est décrite dans les carnets, telle que ça m'a motivé pour monter cette expédition et arrêter toutes les autres, pour moi, retrouver l'Agartha, ce n'est pas jouer l'explorateur. C'est mettre un terme à ces 9 600 ans de conneries. C'est redonner une chance à l'humanité de repartir sur les bonnes bases. Et en plus, coup de bol, toute la technologie là-bas n'attend plus que nous. Alors putain, qu'est-ce que nous on attend? Tu vois, donc après, évidemment, si j'avais des milliards, en 8 jours j'étais parti. Maintenant, tu sais que j'ai eu quelques petits problèmes financiers et c'est pas encore terminé. J'ai bouffé beaucoup d'argent pour mener tous les combats pour vous que j'ai fait, parce que je le fais surtout pour vous. Moi, je connais tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous récupériez tout ça. Mais ça coûte du fric. Ça coûte beaucoup de fric. Je me suis mis à sec aussi. Donc, voilà. Après, le départ à Shambhala, c'est pas moi qui le finance. Je ne peux pas vous expliquer tous les détails, mais il y a du monde derrière moi pour ça. Et ce monde,
est intéressé par la finalité. Découvrir son balai, ils s'en battent les couettes. Ce qui les intéresse, c'est appuyer sur le bouton Reset et relancer tout. Donc c'est la raison pour laquelle les Illuminati m'adorent. Voilà, et la raison pour laquelle aussi je me balade avec un Beretta à longueur de journée. Des fois qu'ils auraient des petites envies de meurtre à mon égard, ce que de toute façon je pense qu'ils ont très régulièrement, puis ils ne sont pas les seuls. Alors, donc pas de souci, Jocelyne, il y a des solutions pour commencer à les peupler ailleurs que sur Terre. Et il y a une technologie de terraformation, je te rappelle, enfin je t'expliquerai plus en détail, au moins que tu ailles voir les émissions, qui s'appelle Aventure et Mystère sur ATV, dedans j'explique tout en détail. On avait un pouvoir, enfin les Agartiens, pour moi c'est nos ancêtres, hein. Donc je dis « on » en parlant d'eux comme étant nos anciens. On avait les moyens de terraformer la planète puisqu'on l'a modifiée complètement pour la rendre vivable. Tu crois tout de même pas que par exemple les océans de plastique, on ne peut pas résoudre ça en quelques heures. Qu'on n'est pas capable de neutraliser les déchets radioactifs. On est capable de faire des choses absolument dingues jusqu'à créer, faire des résurgences de flotte et créer des espaces de verdure au milieu du Sahara, quoi. Donc je veux dire, c'est, on a tous les moyens, sauf qu'ils sont là-bas. Et tu sais pourquoi tous nos amis les Illuminati, l'État profond et le nouvel ordre mondial, ben ils veulent pas, mais parce que si demain on a tout ça, on a tout ça gratos, on a tout ça de suite, tu peux me dire à quoi ils servent? Et puis très honnêtement, t'imagines bien que si j'arrive à mon but, ces gens-là, ils ont quand même un peu de soucis à se faire. Parce qu'une fois qu'on leur aura hanté leur pouvoir, on ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'ils vont connaître l'exil. Et puis je ne suis pas sûr que ça soit sur Terre, tu vois. Ils ont de quoi passer à 5 paquets par jour, hein, et des antidépresseurs par boîte entière. Exactement, Jean-François. Zacharias Titchin, il avait bien travaillé lui aussi ces trucs-là. Il avait très bien travaillé. D'ailleurs, je suppute qu'Anton est parti au départ des travaux de Zacharias Titchin pour commencer à construire sa propre théorie, puis ensuite ses romans, je pense. Eh oui, Jérôme, je savais que tu n'étais pas loin. Je savais que tu étais pas loin, mon gaillard. Oui, vivement la distribution de baffes, mais à qui le dis-tu? Tu sais même pas quel plaisir je vais avoir de faire ça. Tu sais que moi, en plus, la distribution de baffes, ça va être juste de passer la main au-dessus d'un truc. Et à partir de là, ça va être la fête. Qu'est-ce que je pense des humeaux? Très bonne question, Daniel. Alors, on me décrit les humeaux comme étant des survivants des civilisations antédiluviennes ayant décidé de vivre sous terre et d'y avoir bâti leur civilisation à l'abri de la surface. Et pas à l'abri des fous de la surface, parce que on est tous des fous en surface, ça je confirme. Mais, si tu veux, j'ai pas encore assez d'informations là-dessus. Par contre, je n'écarte pas leur existence, parce que, après avoir traduit, j'ai pas fini, mais j'ai bien avancé, le Ragnarok d'Ignatius Donnelly, et après avoir lu qu'il s'est passé, il y a environ 13 000 ans, un carton planétaire sur cette Terre, avec la rencontre entre une comète et la Terre, et que d'ailleurs, cette théorie a été validée ensuite, parce que là, on est en train de parler d'une théorie mise en place par Ignatius Donnelly en 1883, et qui a été confirmée après par notre ami Velilovsky. Et donc, il est tout à fait possible que, effectivement, des êtres qui vivaient en surface échappaient à un cataclysme de cet ordre-là, à une comète qui entre en contact avec l'atmosphère, et ça a dû riper pas mal au niveau de la surface planétaire. D'après ce que j'en ai lu dans Ragnarok, ça a quand même laissé des traces géologiques ineffaçables, indélébiles. Il y a des gens qui se sont dit « je préfère rester en dessous que de remonter », des fois qu'il en arriverait une deuxième, quoi. Je ne sais pas, j'aimerais qu'on me documente là-dessus. Si quelqu'un a des dossiers, des fichiers PDF, des trucs là-dessus, j'aimerais lire. Je pourrais peut-être vous donner mon opinion, déjà. Pas un avis formel. Merci, merci, et merci d'être intervenus tous. Hein, et puis je vous dis force, honneur, paix et prospérité, mes enfants.